So, good morning. Le président, bonjour. J'ai des petits soucis, comme vous le voyez. C'est arrangé. Parfait. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur le témoin. I can tell you that. Je peux vous dire que c'est votre dernier jour ici. Je peux vous en assurer. Bien sûr, il faudra que vous collaboriez. Et donc, je vais vous demander à nouveau de répondre précisément aux questions, sans faire de digression, sans commencer à polémiquer à propos de la question avec les partis. Et je rends immédiatement la parole à la défense de M. Gbagbo. Prendre la parole. Mais, Monsieur le Président, je voulais parler d'une question avec votre chambre avant que l'on continue l'interrogatoire du témoin. Et je pense qu'il vaudrait mieux, avec votre autorisation, que cette question soit abordée en session à huis clos partiel. Et avec le témoin ou sans ? Le témoin suivant. Does it concern an issue with the... Mais est-ce que cela a à voir avec les représentants légaux des victimes ? Je prends un petit peu de temps pour les interprètes. Elle aura certainement son mot à dire, oui, concernant ma requête. Yes, but so it's in a... Le président, oui. Enfin, je pense qu'il n'est pas fort utile que le témoin assiste à tout cela. Il pourrait aussi bien être dans la salle d'attente pour se reposer un peu. Monsieur le témoin, vous pouvez quitter la salle d'audience rapidement parce que nous devons parler d'autre chose avant de commencer votre interrogatoire. Donc, je vais demander à monsieur l'huissier de vous escorter hors du prétoire. Merci. Monsieur, cela concerne le témoin 350 qui va venir après ce témoin-ci. On n'est pas à huis clos. Ah, nous ne sommes pas à huis clos. Sorry about that. Le président, absolument désolé. Pouvons-nous s'il vous plaît passer à huis clos partiel, madame le greffier ? So, once again, good morning. Le président, bien bonjour à nouveau, monsieur le témoin, désolé, mais nous avions un point administratif à aborder, quelque chose qui n'avait absolument rien à voir avec votre témoignage, ni avec vous-même d'ailleurs. Now I give the floor. Je donne donc la parole à la défense de monsieur Gbagbo, et je crois que c'est maître Hochet qui... poursuit son interrogatoire. Maître Hochet, bonjour, madame, messieurs les juges. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Now, question. Vous nous avez expliqué que d'autres avaient... planifié la marche du 16 décembre, mais que vous, vous l'aviez organisé le jour même. Alors, j'aimerais savoir quand a commencé votre organisation personnelle, le matin même ou bien avant cela ? Je n'ai pas dit que d'autres avaient planifié la marche. J'ai dit que nous avons travaillé à l'organisation de la marche. So are you saying... Vous dites
juste que vous aussi étiez impliqué dans la planification de la marche? Puisque je suis militant de base du RDR. And when did that start? Quand est-ce que cela a commencé d'après vous, le président? Non, 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 on ne commence pas avec cela. Hein. Aujourd'hui, je vous ordonne, enfin non, pas vraiment, mais je vous ordonne d'écouter en anglais parce que sinon je vais devoir vous interrompre sans cesse. Troisième question, et vous ne ménagez pas la pause et nous ratons le début de la question parce que vous n'attendez pas la fin de l'interprétation en anglais. Maître Rocher, je prends bonne note. So how many days Maître Rocher, donc votre implication personnelle dans la planification a commencé combien de temps avant la marche, combien de jours avant la marche? Dès que nous avons reçu les mots d'ordre de nos responsables. The question is... Oui, enfin, la question est la suivante. Combien de jours avant la marche? Je ne saurais vous dire exactement combien de jours, mais dès que nous avons reçu le mot d'ordre, nous avons commencé à travailler à la mobilisation. Yes, but you must know. Excuse me. You must... Enfin, vous devez quand même savoir si c'était un mois avant ou juste deux, trois jours, quelques jours, voire la veille. Donnez-nous un ordre d'idée, une approximation. Merci, Monsieur le Président. Quand je dis que nous avons reçu le mot d'ordre, c'est-à-dire que dès que nos responsables au niveau du Golfe ont lancé le mot d'ordre, nous avons commencé à travailler là-dessus. Et ça a duré 2 à 3 jours, je pense. OK, thank you. Question merci, dit le président, Maître Rocher. So, question. Donc, si vous étiez impliqué dans la planification de cette marche, vous étiez aussi impliqué dans les prises de décision concernant la façon d'organiser cette marche. Bien sûr, comme toutes les marches, lorsqu'on donne le mot d'ordre, nous commençons à travailler, à mobiliser à la base. And was it, Et vous étiez l'une des personnes qui a décidé les modalités de cette organisation, les modalités de la marche? Oui, puisque je suis partie prenante et je suis militant de base du RDR. Je pense qu'il n'y a pas autre modalité, ce n'est que mobiliser, rassembler les gens et puis aller marcher. So in your statement, dans votre déclaration, paragraphe 38, lorsque vous parliez donc aux enquêteurs du bureau du procureur, voici ce que vous avez dit, et je vous cite en français. La marche a été planifiée. Ils m'ont informé en me donnant tous les détails sur comment l'organiser. Close
quotations. Fin de citation. Vous avez bien dit cela aux enquêteurs du bureau du procureur ? Je suis. And how do you reconcile? Alors, comment est-ce que vous arrivez à réconcilier ça avec ce que vous venez de nous dire? Je pense que ce que je viens de vous dire et ce que j'ai dit au bureau de Madame la procureure, il n'y a pas de différence pour moi. Parce que quand on lance un mot d'ordre de marche, il y a des directives qu'on donne, et on mobilise et on suit cela. Voilà. Il y a des itinéraires. Il y a des itinéraires de la marche à suivre. Il y a les points où chaque groupe doit se réunir et converger dans l'endroit où nous devons aller faire notre marche et protester. Je ne pense pas que ce que je viens de dire et ce que j'ai dit au bureau de Madame la procureure, qu'il y a des différences. Pour moi, il n'y a pas de différence. You see. Question. Mais vous voyez, vous venez de nous dire que vous faisiez partie de la prise de décision. Vous avez été impliqué dans la prise de décision quant à l'organisation de la marche, que vous avez été impliqué dans la planification. Or, lorsque vous parliez aux enquêteurs, il semble que vous ayez dit autre chose, qu'une fois la marche planifiée, tous les détails vous ont été donnés quant à l'organisation. Donc, tous les détails vous ont été donnés sur comment l'organiser. C'est ce que vous avez dit dans votre déclaration, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est ce que je viens de vous dire. Bon, peut-être vous voyez une différence entre ma déclaration et puis celle que je suis en train de vous dire actuellement. Lorsque les responsables donnent un mot d'ordre, il y a un planning, il y a, comment on appelle, des marches à suivre, c'est-à-dire l'itinéraire de la marche. C'est un parti organisé, chacun ne fait pas ce qu'il veut. C'est ce que je veux vous dire. Maintenant, dit maintenant que c'est... j'étais à la prise de décision, c'est les responsables qui décident et puis nous, on exécute. Voilà. Now you have question. Vous nous avez donné le nom de deux leaders responsables de la planification de la marche. Pourriez-vous nous donner le nom de tous les leaders qui ont participé à l'organisation de cette marche ? D'accord, je me reprends. Les responsables du RHDP qui ont donné ce mot d'ordre étaient au golfe confinés. Ça veut dire quoi? Ils n'étaient pas libres de leur mouvement. Nous, on n'avait pas accès à eux, ils n'avaient pas accès à nous. C'est par quoi? Par presse, par médias. Mr. Witness, can I just stop you there? Maître Hochet, je vous arrête, monsieur le témoin, je vous arrête, s'il vous plaît. Parce que vous écartez totalement de la question. Ce n'était pas ma question du tout. Donc écoutez bien ma question et répondez à celle-ci et uniquement à celle-ci. Et je vous répète la question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous donner tous les noms des leaders qui étaient en charge de la planification de la marche ?
je ne peux pas vous dire tous les noms de ceux qui ont eu une réunion préparatoire de cette marche au golf, car je n'y étais pas. Maintenant, le communiqué qui a été lancé par le porte-parole du RHDP à l'époque, j'ai donné le nom. Maintenant, vous voulez que je vous donne des noms d'une réunion dont je n'ai pas assisté? C'est de cela qu'il s'agit. Je n'étais pas au golf, mais j'ai reçu le mot d'ordre. So, is it your evidence? Alors, vous êtes en train de dire, sous serment devant cette chambre, que vous, qui avez pris part à la planification de cette marche, étant donné que vous n'étiez pas au Golf Hotel, les seuls noms de ceux qui avaient planifié la marche, dont vous êtes en mesure de nous parler, sont celui du porte-parole, en fait. Vous n'êtes pas en mesure de nous donner le nom des autres qui avaient planifié la marche. Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire sous serment? C'est le RHDP qui a planifié la marche. Ils ont donné un mot d'ordre étant au golf. Nous, on est militants de base. Chacun au niveau de sa base travaille pour respecter le mot d'ordre. Donc, quand vous parlez de planification et vous parlez d'organisation, moi, à mon niveau de militant de base, c'est ce travail que j'ai fait. Maintenant, moi, je n'ai pas à savoir si avec qui est dans la salle lorsqu'ils étaient en train de faire la réunion de planification de la marche. Mais on m'a donné des itinéraires à suivre, on m'a donné une ligne de conduite à suivre que j'ai travaillé et j'ai suivi à la lettre. C'est ce que je veux vous dire. Pour dire que je ne suis pas responsable au sommet, je suis responsable à la base. Donc ce que je reçois du sommet, c'est sur cela que je travaille. C'est ce que je veux vous dire. So, I will try one more time. Je vais essayer une dernière fois. Le président, je pense que les choses sont extrêmement claires. Que vous reposiez la question ou pas, la réponse du témoin est très claire. Maître Hochet, avec tout le respect que je vous dois, la réponse n'est pas claire. Le président, non, elle est claire. Maître Hochet, je vais m'arrêter si vous le souhaitez. Le président, non, non, ne vous arrêtez pas. Maître Hochet, les choses ne sont pas claires à mon sens. Je vais vous reposer la question encore une fois, monsieur le témoin. Êtes-vous en train de nous dire que, mis à part les deux porte-paroles que vous avez mentionnés, vous êtes incapable de nommer une autre personne ayant pris part à la planification de cette marche, quelqu'un qui est plus haut gradé que vous-même, qui est à un niveau supérieur à vous? Est-ce que c'est ce que vous êtes en train de dire? Oui, le niveau supérieur à moi, c'est quoi? C'est mon secrétaire de section, mon commissaire politique et mon départemental. Quand on monte, on va au sommet. Un bureau politique d'un parti politique, lorsqu'il se réunit pour prendre des décisions, le militant de base n'assiste pas à la réunion. Je ne suis pas membre du bureau politique, je ne suis pas membre du directoire du RHDP. C'est-à-dire le jour où le directoire du RHDP s'est réuni et prend cette décision, je n'y étais pas. Maintenant, vous voulez que je vous donne la liste de tous ceux qui ont participé à cette réunion? Je dis non, je ne peux pas vous le donner parce que j'y étais pas. Et le golf était confiné. Nous n'avons pas assez à nos responsables. Les responsables n'avaient pas assez à nous. OK? Maintenant, je suis en train de vous expliquer, lorsque nous recevons des mots d'ordre du sommet, puisque c'est une organisation bien établie, chacun à son niveau fait son boulot. Moi, étant président du comité de base d'Agame Marie-Thérèse, je vais vous dire, mon rôle ne s'étend même pas surtout à Agame, qui est un quartier d'Abidjan.
moi étant président du comité de base d'Agamé, Marie-Thérèse, c'est-à-dire ma localité, je m'occupe à l'organiser, à mobiliser mes militants et maintenant converger pour marcher. C'est ce que je veux vous dire. Mais vous voulez que je vous dise, lorsque le bureau politique du RHDP s'est réuni, que j'ai fait part, j'y étais, je ne peux pas, puisque je n'étais pas là-bas. Give us the names. Donnez-nous les noms de ceux, parmi les dirigeants, parmi les chefs, à qui vous avez parlé ou avec lesquels vous communiquiez pendant et avant la marche. Bien, merci. Étant en ville, le RHDP étant confiné, nous avons des numéros où s'il y a des problèmes dans les quartiers et nous informons le Golfe. Ainsi de suite, le Golfe nous informe. Maintenant, les porte-paroles qui sont venus ce jour-là pour faire le communiqué, je crois qu'il y avait le professeur Gikawe. Il y avait Adjumani et puis je pense qu'à Anuroto. Voilà. Je pense que ma déclaration, si je ne me trompe pas, j'ai parlé de cela. Voilà. Lorsqu'il y avait des tueries dans le quartier, nous, on utilisait ces numéros-là pour les informer et automatiquement, on informait la presse internationale. Voilà comment ça fonctionnait. What was the first name you gave? Quel était le premier nom que vous avez cité, Guy Caillé? Le professeur Guy Caillé. Maintenant, cité par ordre, je ne saurais vous le dire, mais j'ai cité des noms. Je pense que j'ai cité Guy Caillé, je pense que j'ai cité Madame Anuroto. Et si je ne me trompe pas, j'ai cité aussi, je ne sais pas, Adjumani. C'est-à-dire qu'ils étaient les porte-parole du RHDP au Golfe en son temps. Please, could you spell... Le président, pourriez-vous, s'il vous plaît, épeler ces noms au fin de l'enregistrement? Maître Ocher, Ouloto, je peux l'épeler, O-U-L-O-U-T-O. Anne, A-N-N-E, Anne Ouloto. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez épeler le nom de Guy Caillé, professeur Guy Caillé? Madame Berdenikova, monsieur le président, je pourrais peut-être être utile. Les noms qui ont été cités font partie de la liste des noms qui a été communiqué aux interprètes. Maître Ocher, oui, ma contradictrice peut effectivement nous appeler ce nom-là. So for Guy Caillé, it's... Madame Berdenikova, Guy Caillé, j'ai le président interrompant. Les interprètes me disent que la liste ne porte pas de nom, donc il est difficile de se référer à un nom. Il serait plus utile d'avoir une liste avec des noms en regard des noms, des numéros en regard des noms. Est-ce que vous avez les noms? Je m'adresse à l'interprète, aux interprètes. Est-ce que vous avez la liste? It's an alphabetical order. Okay. Madame Berdenikova, elle est par ordre alphabétique. Le président, Madame Berdenikova, veuillez appeler le nom, s'il vous plaît. Madame Berdenikova, donc Guy Caillé, c'est G-U-Y. Ensuite, K-A-O-W. E, accent aigu. I believe the last name. Et je crois que le dernier nom ou le troisième nom pourrait être appelé par le témoin lui-même. Je ne pense pas que ce nom-là figure sur la liste. Maître Ocher. Monsieur le témoin, s'il vous plaît, pourriez-vous appeler le troisième nom? Adjumani.
Can you please spell it? Le président, pourriez-vous l'épeler, s'il vous plaît? A D J O U M A N E, je crois. Adjumani. Which should be two words, right? Name and. Le président, en principe, il y a un prénom et un nom, n'est-ce pas? Comment? Are these. Adjumani. C'est deux noms ou un seul? C'est deux mots ou un seul? Le ministre Adjumani. OK. Le président, très bien, merci. Maître Ocher. All right, so. Maître Ocher, bien. Donc, nous avons Guy Kawe. Oloto et Adjumani, qui sont tous les trois porte-parole. Autrement dit, ce sont trois personnes qui faisaient des annonces à l'intention de la population en général. C'est bien cela, lorsque vous dites qu'ils étaient porte-parole, c'est eux qui faisaient des annonces en utilisant la chaîne privée à l'intention de la population générale. Ces trois personnes, c'était elles qui faisaient ces annonces, n'est-ce pas? Oui. And apart from those three. Et mis à part ces trois porte-paroles, est-ce que vous communiquez avec quelqu'un d'autre au Golf Hotel? S'agissant de la marche. Non. Now, is it correct that this. Est-il exact que cette marche précise n'était pas autorisée? Elle était autorisée puisque c'est émanant du président élu démocratiquement. So you say that the. Donc vous dites que la marche était autorisée du fait que le président Ouattara l'avait autorisée. C'est ce que vous êtes en train de dire? Je parle de la marche du 16 décembre. Oui, c'était le président élu démocratiquement. Donc c'est lui qui avait le pouvoir de donner des décisions. And is that an assumption on your part? Est-ce que c'est une supposition de votre part ou est-ce que le président Ouattara avait dit « j'autorise cette marche » ? Les décisions émanant du Golf à l'époque étaient les décisions légitimes puisque ça émanait du gouvernement légitimement élu. Voilà.
But that's not the procedure. Cela dit, ce n'est pas la procédure en vigueur pour autoriser une marche. Est-ce que vous connaissez la procédure d'autorisation d'une marche? Oui. What is it? Quelle est-elle? Dans un pays organisé, avant de marcher, on dépose un courrier au ministère de l'Intérieur. Et le ministère de l'Intérieur doit vous entendre, voir l'itinéraire de votre marche, et en commun accord, vous devez tomber d'accord pour valider les itinéraires. Après cela, si le ministère de l'Intérieur est d'accord, ok, la marche est autorisée. Et à pareille situation, je pense que le ministre de l'Intérieur, qui était légal aux yeux du monde entier, se trouvait au Golfe. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est pourquoi nous avons suivi cette décision à la lettre. Before a new government has power in... Avant qu'un nouveau gouvernement n'arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, à la suite d'élections et à la suite de l'annonce des résultats des élections, n'y a-t-il pas une cérémonie officielle de passation de pouvoir, le président. Pardon, vous êtes en train de discuter de droits constitutionnels et d'opinions. Ce ne sont pas des faits. Je pense que le témoin a répondu de manière claire à votre question. Il est temps que vous passiez à autre chose maintenant. Maître Hochet, j'en prends acte, monsieur le président. Now, during the day of the march, le jour de la marche, à part le fait que vous étiez en communication avec ces trois personnes au Golf Hotel, est-ce que vous étiez également en communication avec les autres organisateurs ou les autres mobilisateurs comme vous sur le terrain? Qui s'occupait d'autres zones. Oui, puisque au sein de chaque entité, chaque partie du RHDP, il y a chaque partie à son organisation. Donc nous étions en contact avec les autres. C'est tout à fait normal. How many such organizers? Combien d'autres organisateurs avaient la même tâche que vous, c'est-à-dire mobiliser la population ce jour-là? Tous ceux qui sont à la base ont reçu les mêmes messages comme moi, donc et tous ont fait ce que j'ai fait. Voilà. That's not an answer to the question. Ce n'est pas la réponse à ma question. Combien était-il? Les organisateurs, le nombre des organisateurs à la base? Yes. Oui. Le président, la question est la suivante. Combien d'autres mobilisateurs y avait-il à votre niveau? D'autres personnes comme vous, au même niveau que vous, combien y avait-il à Abidjan, combien s'étaient mobilisés pour cette marche?
Je ne saurais vous dire exactement le nombre, puisque dans mon quartier seulement à Djamé, il y a des milliers de comités de base. Donc il y a des milliers de présidents de comités de base qui ont fait la même chose que moi. Donc si vous prenez tout à Abidjan, alors là, je ne saurais vous dire le nombre exact de responsables à la base qui ont fait ce que j'ai fait. Your committee de base. Ce jour-là, votre comité de base était chargé de la population. De combien de personnes y avait, combien de personnes y avait-il dans votre secteur à vous, dans votre zone à vous? Ma zone à moi, qui est le quartier Ayamé Marie-Thérèse, puisque là, plusieurs. Je peux dire plus de 5 à 10 000 personnes. Hein. Plus de 5 à 10 000 personnes, quoi, militants. And how many people did you have to assist you? Et combien de collaborateurs aviez-vous avec vous pour vous aider à mobiliser ces 5 à 10 000 personnes? Je crois que je ne peux pas vous dire des chiffres exacts, mais je vous dis qu'à Djamé Marie-Thérèse, il y a plusieurs présidents de comités de base comme moi. Donc ça veut dire quoi? C'est pas moi seul qui mobilise tous ces militants et sympathisants même en plus. Ça veut dire quoi? Mon patron à moi, c'est le secrétaire de section. Quand vous prenez à Djamé, aujourd'hui, il y a plus de 7 secrétaires de section. Et dans chaque section, il y a des dizaines de, ou bien des vingtaines de comités de base. Dans chaque comité de base, il y a 25 membres ou plus. Et les sympathisants qui ont les mêmes visions, comme qu'ils avaient les mêmes visions comme nous. Et quand on met tout ça ensemble, avec tous les volontaires qui voulaient protéger leur vote, je pense que c'était des milliers de personnes. Parce que tout le monde était mobilisé pour aller protéger son vote. On a voté, on a gagné, et on ne pouvait pas nous voler notre victoire. Donc il y avait des milliers de personnes mobilisées pour cela. What is the name of the section secretary? Quel est le nom du secrétaire de région? Le secrétaire de section de votre comité de base à vous. Le secrétaire de section, moi mon patron c'est Monsieur Aboulaye. Oui. Could you spell that, please, Win? Pourriez-vous appeler ce nom, s'il vous plaît? Is that A, B, D? Est-ce que cela s'appelle de la manière suivante? A, B, D, A, I, le témoin A, O, U, L, et, pardon, Abdoulaye, A, B, O, U, D, L, Y, E. Did you have people
who had the task of... Est-ce qu'il y avait des gens avec vous dont la tâche consistait à contrôler la population, à assurer l'ordre au sein de la population? Bien sûr, je vous explique tout simplement. Lorsque nous avons ces gens de mot d'ordre, automatiquement, tout le monde se fond dans un même moule et chacun est le responsable de la sécurité de l'autre. Parce que nous savons comment les choses fonctionnaient dans notre pays. Et la sécurité, chacun devait veiller à son niveau. C'est-à-dire, chacun devait protéger l'autre. Et quand nous organisons ces genres de marches, automatiquement, toutes les organisations viennent se fondre ensemble et ça devient un moule unique. Et c'est ce qui faisait la force, c'est ce qui a toujours fait la force du RDR, du RHDP, voilà. When you say each person is looking out, lorsque vous dites que chacun est responsable de la sécurité de l'autre, est-ce qu'il y avait un groupe de personnes qui étaient chargées de la sécurité ou est-ce que vous faites référence à tous ceux qui participaient à la marche? À tous ceux qui participaient à la marche, c'est comme ça que nous formons les gens. Parce que vous pouvez être là, si vous n'êtes pas vigilant, il y a un coup qui peut arriver n'importe où. Donc il faut voir, parce qu'il y a des gens qui venaient infiltrer nos marches à l'époque. C'est pourquoi chacun devient membre de sécurité. Chacun fait la sécurité pour l'autre. Tandis que moi, je surveille l'autre, l'autre me surveille. Voilà. Parce qu'on a toujours été infiltrés lorsqu'on organisait nos marches. When you say that people... Lorsque vous dites que parfois des personnes infiltraient votre marche, est-ce que vous comprenez dans cela les rebelles? Quels rebelles? Nous sommes habillés en marche. C'est les gens du parti au pouvoir. Ils ont toujours infiltré nos marches, tué les gens comme des lapins. Vous voulez parler de rebelles? Quels rebelles? Les forces nouvelles. You had organized marches before. Vous avez organisé des marches avant les élections, n'est-ce pas? In those marches before the... Et ces marches qui ont eu lieu avant les élections, est-ce qu'elles avaient été infiltrées par des rebelles? In order to attack. Afin d'attaquer les forces de sécurité. On a été toujours infiltré par les partisans du pouvoir. Les rebelles, les forces nouvelles, c'est à Boaké. Pourquoi ils vont venir nous infiltrer? Ils avaient quoi à voir avec nous, puisque c'est le pouvoir en place qui se battait avec eux. On a été toujours infiltré et chaque fois, il y a eu toujours des milliers de morts lorsque nous marchons. Voilà, c'est le cadeau qu'on nous servait chaque fois. La démocratie qu'on prône tant. Now, on the last occasion, you told us. Vous nous avez dit que vous n'aviez aucun contact avec le rebelle. So, oui. On the day of the march. Le jour de la marche. Is it right that you had... Est-il exact que vous n'étiez pas informé du lieu où se trouvaient les rebelles ou ce qu'ils faisaient? Il
Je ne sais pas. Je ne sais même pas de quoi vous parlez, des rebelles, où ils étaient, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez quand vous parlez des rebelles. Bon. Vous allez m'expliquer. So... Donc, est-ce que vous êtes en train de nous dire, est-ce que vous êtes en train de dire au juge de la Chambre que lorsque j'utilise le terme « rebelle », vous n'avez absolument aucune idée de ce à quoi je fais référence? Je situe vos propos dans le contexte dont nous sommes actuellement. Il y a des gens qui sont confirmés au Golfe, des responsables politiques, dont le président élu démocratiquement, dont le premier ministre de l'ex-président de la République. Alors, quand quelqu'un est premier ministre, qu'on l'a nommé, qu'il est dans le gouvernement, qu'il signe des papiers légalement, moi, il n'est plus rebelle. C'est de ça que je parle. Voilà. Donc, à l'époque où ça se passait, ici, il y avait les forces nouvelles et il y avait les forces de défense. Il y avait deux armées qui se faisaient. C'était des frères d'armes qui se sont séparés. Donc, il n'y avait plus de rébellion chez nous. Voilà. C'est ce que je vais préciser. So, it's... Donc, vous nous dites que les forces nouvelles étaient une armée légitime le 16 décembre. C'est ce que vous nous dites. L'armée légitime de la Côte d'Ivoire a été... Les deux armées ont été mises ensemble lorsque le président élu démocratiquement a signé ce décret-là au Golfe. Et ce jour-là, c'était devenu les FRCI. Voilà. Maintenant, avant les élections ou bien pendant les élections, il y avait deux armées. C'est la même armée qui s'est divisée. Il y avait un groupe à gauche et un groupe à droite. C'est les frères d'armes qui se sont séparés. Il y a un groupe qui se battait contre l'autre. Voilà. Donc là, il n'y a plus rébellion, puisque déjà M. Soro Guillaume était le premier ministre de la Côte d'Ivoire, nommé par l'ex-président. C'est une personnalité, troisième personnalité du pays. Donc il n'y avait plus de rébellion. Il y avait les forces nouvelles contre les forces de défense. De l'autre côté. On the 16. Le 16 décembre, est-ce que vous saviez quelles étaient les activités des soldats des forces nouvelles? Est-ce que vous savez quelles furent leurs activités ce jour-là? Est-ce que vous avez une connaissance à ce sujet? Et je parle du 16 décembre. Je suis civil, je ne suis pas militaire. Donc, moi, j'ai fait mon travail de civil. Donc, les militaires, les tâches qu'ils ont, moi, je ne saurais vous le dire. So in the light of the... Donc, au vu des réponses que vous avez apportées au sujet du nombre de personnes qui étaient présentes, au sujet de ce que vous saviez, est-il exact de dire que vous n'êtes pas en mesure de dire s'il y avait des personnes armées dans cette marche? Je suis à mesure de vous dire que nous, notre marche, il n'y avait pas de personnes armées. C'est ceux qui sont venus en face, c'est eux qui étaient armés. Là, je suis à mesure de vous le dire.
So how? Donc, comment est-ce que vous avez été en mesure de confirmer que les quelques 5 à 10 000 personnes qui se trouvaient dans votre sphère de mobilisation, comment est-ce que vous êtes en mesure de confirmer que parmi toutes ces personnes, il n'y avait aucune qui avait une arme? Comment est-ce que vous êtes en mesure de confirmer cela? Quand on a une arme, on s'en sert. Quand vous avez quelqu'un en face de vous qui tire sur vous comme des lapins, et je vais avoir une arme, et puis je vais courir. Si on avait les armes, on allait répliquer. Si on avait les armes, ce jour-là, on allait régler notre problème en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ceux qui étaient en face qui tiraient sur les civils à main nue. C'est pourquoi il y a eu des milliers de morts ce jour-là. So your statement. Donc. Ah. So your state. Donc. Ce que vous avez déclaré au sujet des personnes de la marche qui n'avaient pas d'armes, vous le dites cela sur la base d'une déduction en quelque sorte, et non pas sur la base d'une connaissance personnelle de cela, n'est-ce pas? Je n'ai pas en déduit puisque je suis je suis témoin oculaire. Je ne peux pas être dans une foule. Et lorsqu'on tire sur cette foule, les gens tombent comme des lapins, les gens sont en train de fuir. Et s'il y a des personnes dans cette foule-là, avec des armes, qui ne répliquent pas, tu ne peux pas quitter avec une arme chez toi à la maison, et puis on est en train de tirer, on veut t'éliminer, et puis tu vas pas riposter. Voilà, c'est ce que je veux dire. In the days preceding the 16th. Au cours des jours qui ont précédé le 16 mars, est-ce que vous-même, vous vous êtes rendu personnellement à l'hôtel du Golfe? Les jours après la marche? I said the days. J'ai dit pendant les jours qui ont précédé la marche. Je ne pouvais pas aller au golf puisqu'on n'avait pas assez. Ils étaient confinés. Le quartier était bouclé. Chacun cherchait à se sauver, protéger sa vie. Donc, vous ne vous êtes pas rendu dans la zone où se trouve l'hôtel du Golfe. Et je parle toujours des jours qui ont précédé la marche. Non. Ce n'était pas possible. Alors là, pas possible. À moins que tu voulais perdre ta vie. So, given your... Donc, étant donné que vous aviez une connaissance limitée au sujet des personnes qui étaient présentes à l'hôtel du Golfe, et étant donné que vous-même, vous n'y êtes pas allé pendant cette période, la période qui a précédé la marche, vous n'êtes pas en mesure de nous dire si les personnes qui se trouvaient présentes dans l'hôtel du Golfe étaient à même de quitter l'hôtel, oui ou non?
Je ne peux pas vous le dire, mais ce que je pouvais vous dire, il y a un fait que tout le monde a vécu. Il y a le colonel Dosso. Lorsqu'il a voulu quitter, il a été tué. Il a été abattu. Et son corps a disparu jusqu'à aujourd'hui. Lui, il a quitté au golf, on l'a tué. Donc, nous, on ne cherchait même pas à aller au golf. C'est l'esprit. On a voté, on a gagné. On n'avait plus besoin des gens du golf. On était mobilisés par tous les moyens pour faire partir l'ex-chef d'État. C'est ce qu'on a fait. Pour montrer qu'il y avait des hommes en face, pour ne pas tuer des gens comme des lapins, et puis on va croiser les bras. On s'est battu, il y a eu des morts. Mais on n'entendait plus rien du golf. Il fallait se mobiliser pour montrer aux yeux du monde qu'on doit protéger notre vote. Et on a protégé notre vote et on a gagné. Voilà. À l'hôtel du golf, il y a eu des moments, n'est-ce pas, où les soldats qui se trouvaient dans l'hôtel du golf ont essayé de sortir et d'attaquer. Est-ce bien exact? Ce qui est exact, à un moment donné, nous avons vu sur les chaînes où l'ex-pouvoir a attaqué le golf. Voilà. Les soldats de l'ONU ont été attaqués au golf. Il faut qu'on le mentionne. Il faut que les films sont là, c'est clair. Le golf a été attaqué. C'était pour anéantir. Et grâce à Dieu, grâce au ciel, je pense que ça n'a pas pu avoir lieu. Parce que Dieu, il est pour la justice. Hein. Voilà, pas crier justice alors que tu tues les gens. Try if you would. Monsieur le témoin, est-ce que vous pourriez essayer, je vous prie, de vous concentrer sur mes questions? Est-ce que vous savez que les soldats, que des soldats sont sortis de l'hôtel du golf et que ces soldats étaient armés? C'est ce que je vous ai dit. Je les ai vus à la télévision. Le golf a été attaqué par l'ex-pouvoir. Ça est là, il y a les films, tout le monde le sait. Maintenant, être au golf, sortir avec les armes, je n'étais pas, je ne peux pas vous confirmer ça. Voilà. Ce qui est passé à la télévision, sur les chaînes internationales, tout le monde a vu. Le golf a été attaqué. Et grâce à Dieu, grâce au ciel, vraiment, ça n'a, c'était une forfaiture, ça n'a pas marché. Voilà. So you did... Donc, vous n'avez vu aucune image télévisée de soldats armés sortant du golf? L'image que j'ai vue à la télé, le golf attaqué, les soldats onusiens étaient en train de défendre le golf. Parce que c'était une citadelle à prendre. J'ai vu à la télévision les soldats onusiens défendre le golf. Voilà. Ça, tout le monde entier a vu ça aussi. Les films existent. Let me... J'aimerais vous montrer, moi, un film. CIV D15-0002-01-57 à 0 minute 44 secondes jusqu'à 1 minute et 12 secondes. Et il existe une transcription CIV D15-0004-1497. Et il s'agit d'un document public.
situation est très très confuse. On attend Ouattara et son gouvernement. Tous ces partisans sont là, hein, comme vous pouvez l'entendre autour de moi. Tous les partisans sont là, ils sont très 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 énervés. Ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Ils nous disent qu'eux sont prêts, avant, juste un petit peu avant, les forces spéciales d'Alassane Ouattara sont sorties, armées jusqu'aux dents, pour ouvrir le passage. Voilà la configuration actuelle. Alassane Ouattara et son gouvernement devraient sortir d'une minute à l'autre. Devant eux, l'armée, les partisans de Ouattara, l'armée ouvre la route et les partisans suivent derrière. Donc... Could we just show that? Maître Ocher, est-ce que nous pourrions montrer cela à nouveau parce que nous avons un petit problème technique, ou je ne sais pas, c'était peut-être un problème qui finalement était un problème humain. Est très très confuse. On attend Ouattara et son gouvernement. Tous ces partisans sont là, hein, comme vous pouvez l'entendre autour de moi. Tous les partisans sont là, ils sont très 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 énervés. Ils veulent en découdre avec les forces de l'ordre. Ils nous disent qu'eux sont prêts, avant, juste un petit peu avant, les forces spéciales d'Alassane Ouattara sont sorties, armées jusqu'aux dents, pour ouvrir le passage. Voilà la configuration actuelle. Alassane Ouattara et son gouvernement devraient sortir d'une minute à l'autre. Devant eux, l'armée, les partisans de Ouattara, l'armée ouvre la route et les partisans suivent derrière. Donc... Donc... Ce type de message des médias au sujet des soldats qui sortaient de l'hôtel du Golfe, vous n'en avez vu aucun, c'est cela? Ce que vous venez de montrer là, ce bout de film, on va ouvrir la route pour que Ouattara puisse sortir. C'est après avoir que l'hôtel soit attaqué. Les gens veulent aller mettre le président à l'abri. Et ils ont annoncé qu'ils vont ouvrir la route pour que Ouattara puisse sortir avec son gouvernement. Mais je ne les ai pas vus en train d'ouvrir la route. Le journaliste a annoncé qu'ils veulent sortir. Mais est-ce qu'on les a vus sortir? Est-ce que c'est filmé? Ils sont en train de sortir. Mais c'est filmé où on est en train de tirer sur le golfe. Montrez cette partie. C'est filmé où le golfe a été attaqué. Montrez ça aux yeux du monde, c'est de cela qu'il s'agit. How many points of a... Combien est-ce qu'il y avait de lieux de rassemblement le matin de la marche, avant d'aller au RDR? Chaque quartier avait son lieu de rassemblement. Chaque commune a son lieu de rassemblement. Chaque quartier avait son lieu de rassemblement. Il y a les communes, il y a les quartiers dans les communes. Chacun avait ses lieux de rassemblement. Je ne saurais vous le dire combien de lieux il y avait. Would it be right to say that
Puis-je donc avancer que ce que vous savez au sujet de la marche doit être limité à la population qui s'est rassemblée au niveau de votre lieu de rassemblement et qui s'est déplacée avec vous? Bien sûr, où nous avons fait le rassemblement et convergé vers le siège du parti, je peux vous dire ce que j'ai vécu là-bas. Maintenant, les autres informations qu'on m'a données, même si je vous les donne, je pense que vous n'allez pas croire cela. Ben, ce que j'ai vécu du lieu de mon quartier jusqu'au siège de mon parti, oui, et chacun a vécu aussi ses réalités. C'est tout cela qu'on a mis ensemble, et les familles endeuillées, tout cela qu'on a mis ensemble, qu'on a trouvé plus de 3000 morts, c'est de cela qu'il s'agit. Voilà. You say there were 3000. Vous dites qu'il y a eu 3000 morts ce jour-là, c'est cela? J'ai pas dit ça. La crise post-électorale a occasionné plus de 3000 morts. Voilà. C'est-à-dire lorsqu'on a déclaré le couvre-feu la nuit électorale et attaquer les civils, jusqu'à 4 mois après, plus de 3000 morts. Plus de 3000 morts. Voilà la démocratie des Africains. Are you aware? Est-ce que vous savez que Guillaume Soro parlait à la radio et s'adressait à la population, et ce, avant le début de la marche? Je vais vous dire oui. Guillaume Soro parlait, Monsieur Guillaume Soro, il était ministre, Premier ministre et ministre de la Défense à l'époque. Si c'est au moment où Ouattara a été déclaré élu président, tous les discours que Guillaume Soro faisait, M. Guillaume Soro était légitime, parce que c'était le discours officiel du pouvoir élu légalement, démocratiquement. And in these statements on the radio, et dans sa déclaration à la radio, Guillaume Soro disait qu'ils allaient reprendre la, ou disait que nous allions reprendre la RTI. Est-ce bien exact? Coup de discours, je ne saurais vous dire phrase par phrase ce qu'il a dit, mais il travaillait pour rétablir la démocratie en Côte d'Ivoire. Et c'est ce qu'il a fait. Je pense qu'il a, il a accompli sa mission. According to your recollection, what did he say? Alors, d'après ce dont vous vous souvenez, qu'a-t-il dit à la radio? Je me souviens des propos du Premier ministre, M. Guillaume Soro, ministre de la Défense à l'époque, pour dire que nous n'allons pas accepter la forfaiture. Pour dire que nous n'allons pas accepter la forfaiture. Et il avait dit, paraphrasé, que si ils avaient la ténacité, nous aussi nous étions déterminés. Parce qu'il était un acteur majeur de la crise, il savait la réalité. Il a dit à l'ancien chef d'État qu'il n'a pas gagné.
Et il a toujours mobilisé pour dire « restez mobilisés » et que la vérité est de notre côté, nous allons gagner. Et la vérité est de notre côté, nous avons gagné. Quand on gagne les élections, il faut accepter. Ouais, l'Afrique, c'est difficile. C'est pas forcé de rester président. T'es président, c'est fini, tu t'en vas. Voilà, chez les Blancs, ça se fait. Quand ton mandat finit, tu t'en vas. Tu peux revenir après. C'est ce que Guillaume Soro a fait. Et il a bien fait, parce que ça nous a galvanisés. On était confiants, même quand on nous pourchassait dans les rues, dans les recoins et la ville, on est restés mobilisés. Now you've explained that. Alors, vous avez expliqué que pour ce qui était de contrôler les marcheurs, de maîtriser les marcheurs, ils se surveillaient les uns les autres et que cela était valable pour tous les marcheurs. Est-ce que quelqu'un d'autre, à part les marcheurs eux-mêmes, a aidé à contrôler? Attends, à contrôler les marcheurs? Non. Non. Nous faisions la sécurité de nous-mêmes. Chacun surveillait son frère, son ami, sa sœur. Puisqu'il y avait des milliers de femmes ce jour-là, et Dieu sait ce qu'elles ont, eu, ces femmes-là. Donc, chacun faisait la sécurité pour son frère. Voilà, on n'avait pas besoin de d'autres. Puisque nous, on a tout le temps fait des marches en Côte d'Ivoire, tout le temps. Voilà, on avait plus de 17 années de marche dans nos jambes. 17 à 18 années de marche dans nos jambes. Et on savait comment ça se passait. Et c'était brimé tout le temps. In your statement, dans votre déclaration, au bureau du procureur, au paragraphe 38, vous dites, et je cite en français, « La situation devait encadrer les marcheurs. » Close quotation. Je n'ai pas compris le début de la question. You said, vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur devait encadrer les marcheurs. Did you say that? Est-ce que vous avez dit ceci au bureau du procureur? Chaque fois quand vous arrivez, devait encadrer les marcheurs. La phrase, je n'entends pas. L'interprète, je ne sais pas. J'entends devait encadrer les marcheurs. La suite, l'avant, ce qui est avant, je n'entends pas. Si vous pouvez répondre, s'il vous plaît. I will say. Alors, je vais répéter en français dans le texte la phrase. Est-ce que vous avez dit aux enquêteurs du procureur, et je cite moi-même en français, les associations devaient encadrer les marcheurs. Close quotation. Fin de la citation. Est-ce que vous avez dit ceci, les associations devaient encadrer les marcheurs? Puisque moi-même, je suis responsable d'association, de rassemblement des grains. Il y a les, comment on appelle, les clubs de soutien, et qui sont en même temps, les responsables des clubs de soutien sont en même temps les militants
qui militent officiellement dans les différents partis du RHDP. Au sein de tous les partis du RHDP, il y a des clubs de soutien. Moi, je suis du Rassemblement des Grains, mais je suis responsable à la base. Donc, étant responsable des Grains, et puis, on a un bureau. Donc, ce bureau-là, qui sont encore plus outillés à encadrer des gens, parce que nous passons tout notre temps à former, à organiser les militants. Donc, les associations, il y en a des milliers au sein du Rassemblement des Républicains. Et chaque... au sein du RHDP aussi, c'est tous ceux-là qui viennent se fondre ensemble. C'est pourquoi je vous dis, quand on fait les marches, en même temps, on se met dans un même moule. Mais quand on se met dans un même moule, il y a d'autres qui ont l'expérience de la marche que les jeunes militants qui viennent d'arriver. Parce que moi, quand je dis que j'ai au moins 18 années de marche dans mes jambes, ça veut dire quoi? Durant toutes ces 18 années, les brimades qu'on a subies, donc si je vais marcher avec les jeunes, j'ai plus d'expérience. Je dois pouvoir les encadrer. Parce que la boucherie même qu'on a eue, il a fallu qu'on travaille sur ça. Sinon, ça allait le canage allait dépasser tout ça. On a eu à canaliser les gens pour ne pas aller dans les endroits où il y a eu beaucoup de tueries. Donc, quand il n'y a pas d'association, c'est les militants du RHDP qui ont aussi des clubs de soutien. Voilà. S'il vous plaît. Excusez-moi, confrère. Monsieur le Président, vous ne m'avez pas redonné la parole. You're posing the questions of... Bah vous posez les questions ou quoi? Enfin, allez-y. Il me semble que le témoin a devant lui sa déclaration. Je ne sais pas si c'est sa déclaration, mais il me semble avoir vu que le témoin a devant lui sa déclaration. Il a des feuilles par devant lui. J'aimerais que la Chambre vérifie si sa déclaration ou pas. Si c'est vraiment sa déclaration, il faudrait qu'on la lui retire parce qu'il n'est pas autorisé à avoir sa déclaration par ici. Why is he not authorized to have the... Mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas le droit de l'avoir devant lui? De toute façon, c'est un témoin règle 68.3, donc il a le droit. Au début, on a bien dit, vous avez le document sous les yeux, est-ce que vous le confirmez? Il fallait bien qu'il l'ait sous les yeux pour le confirmer. 414, il avait été décidé ici qu'elle ne pouvait pas consulter ni lire sa déclaration pour pouvoir répondre aux questions. S'il a sa déclaration devant lui, il se pourrait qu'il fasse la même chose. Il avait été décidé avec P414 qu'elle ne puisse avoir sa déclaration par devant elle et si référée pour pouvoir répondre aux questions. Je suis un peu étonnée. Est-ce qu'on pourrait, s'il vous plaît, faire sortir le témoin pour... pas pour longtemps, hein. J'aimerais pas en parler devant lui, c'est tout. Et j'aimerais bien quand même m'expliquer avec vous, Madame, Messieurs les juges, sur ce point. Le Président, pouvons-nous escorter le témoin hors du prétoire, Monsieur l'huissier, s'il vous plaît ?